Madame le maire, la ville de Fécamp continue à investir dans des endroits où il fait bon vivre, comme ici. Oui, on s'est engagé dans le cadre de Action Cœur de Ville, Action Cœur d'Enfant, eh bien, à faire en sorte que nos espaces puissent être le plus partagés par les enfants. Et puis, bah, évidemment, les enfants, quand ils viennent, souvent, ils sont sous la surveillance des parents, notamment quand ils sont petits, et bien souvent aussi des grands-parents. Et on voit eh bien, des espaces qui sont partagés par toutes les générations. C'est important. Aujourd'hui, ça intervient sur le parc de la Rivière. Demain, pas demain, l'année prochaine, eh bien, ça interviendra à quartier Saint-Jacques après qu'on ait partagé avec l'ensemble des habitants. Et puis hier, non pas hier, mais il y a un moment, eh bien, c'était à la plage, c'était au Ramponneau, c'était dans le centre-ville. Donc chaque quartier doit pouvoir eh bien, avoir des lieux comme celui-ci où il peut se reposer calmement, paisiblement. Il faut que les uns et les autres se respectent parce que là, j'entendais, c'est super, mais il ne faut pas que les chiens viennent nous perturber parce qu'on a peur, nous. Donc voilà, il faut que chacun respecte l'autre et que tout simplement on puisse bien vivre ensemble. Ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il y a eu des discussions, on n'est pas venu imposer des choses. Ah non, du tout, ça a été partagé. On sait qu'il reste encore des choses à faire. Par exemple, dans le fond du terrain, eh bien, on a souvent de nombreux joueurs de pétanque et ils nous ont pu nous indiquer encore tout à l'heure en me disant « je pense que ce serait bien qu'on puisse avoir des délimitations ». Donc c'est comme ça qu'on progresse, c'est en partageant. Quand on impose des jeux, c'est jamais partagé. Donc là, il y en a pour tous. Pour les petits, pour les grands, pour les moyens, même pour les adultes, puisqu'il y a un parcours de santé. Donc j'invite, c'est pas que pour les habitants du parc de la Rivière, parce que ça aussi je l'ai dit, je trouve qu'on a tendance à s'approprier par quartier, et ce qui est pas mal, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe dans le quartier d'à côté, parce que ça fait des petits moments de détente, et bien pas très chers.